Bonjour à toutes et à tous, que Dieu éternel, OPH Sebaoth vous bénisse. Je suis votre frère Onseti Yapas Chris. Je suis un membre confirmé de l'OPH. Notre 12e épisode des enseignements Sétikwabien est consacré au dernier jour, le grand jour du Seigneur Jésus, ce jour où il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est bien dans cette quatrième génération dite de Dieu le Père que le jugement dernier aura lieu. C'est bien dans cette quatrième génération qui est revenue à lui-même Dieu le Père que Jésus-Christ reviendra pour juger à la fois les vivants, c'est-à-dire nous qui vivons dans ce monde, et les morts, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le quatrième monde. Chacun rendra compte le dernier jour. Chacun sera jugé le dernier jour. C'est là vraiment. C'est là vraiment. C'est ce jour-là, c'est le grand, grand jour du Seigneur. C'est le grand jour du Seigneur que vous vendez vraiment. Beaucoup pensent que Zambi, les vivants et les morts. Comme Dieu est très sage, comme Dieu est malin, ni connaissant de couper ça qu'à nous fois. Or, si Zambi couper ça qu'à un signe, car personne ne peut croire qu'il existe un Dieu. Car personne ne peut croire qu'il est Dieu, qu'il y a un Dieu. Mais Dieu savait ma bande à Yabit Baba qui est ici. Et nous connaissons du tout là, nous fois. Quel que soit où on te fasse indiquer les A, si on parle de nous, alors là, il est là, il est parti. Confondre les dire, il y a Babantu, pour que Babantu vous ait dit, il y a un Dieu. Comme on vient de l'entendre, comme Papa Guy-Émile Loufa Sétikwabo vient de le dire, Loufoua, yake kwa ndi signe. Kinkuti kaka kekufuaka, mais yandi mosi muntu, yandi kekufuaka ve. Le souffle yinanzambi kupisabeto, yandi ke muntu. C'est-à-dire, le souffle que Dieu nous a donné. Le souffle que Dieu éternel a mis dans chacun d'entre nous. Au moment de notre création, je pense à Genèse 2, le verset 7, ce souffle-là, c'est un être vivant et il est immortel. C'est ce souffle-là qui anime tout notre corps. Voilà pourquoi on dit, si Dieu nous retirait son souffle, on meurt ou on mourrait, parce que c'est bien ce souffle qui anime notre corps. Donc, si on nous le retire, le corps physique se retrouve sans souffle, le corps se retrouve dépourvu, si je puis dire, de sa motrice, le corps se retrouve inanimé, c'est la mort. Nzambiwa bonga. Dans notre texte d'engagement, dans le texte d'engagement que nous avons signé librement et de notre propre volonté, et à partir duquel nous serons jugés, il est dit ceci, je cite, Je crois à l'immortalité de l'âme. Fin de citation.
Oui, nous, la SLA OPH, nous, l'association Luzolo Amor OPH, nous croyons à l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire, nous croyons que le corps physique que nous avons est mortel, mais notre âme ou notre esprit, lui, est immortel. Le corps physique que nous avons, c'est comme un vêtement ou une enveloppe qui recouvre le vrai nous qui est esprit. Et ce vrai nous qui est esprit est immortel, ou du moins ne mourra qu'au dernier jour. Le vrai nous est immortel, et pour être plus précis, il ne mourra qu'au dernier jour. Parce que dans les Saintes Écritures, notamment dans Hébreux 9, le verset 27, il est dit ceci. Hébreux 9, le verset 27, je cite. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Enfin, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fin de citation. Hébreux 9, le verset 27. Nous avons déjà expliqué dans plusieurs de nos épisodes maintenant que l'homme ne mourra qu'au dernier jour. En fait, on ne peut mourir qu'après le jugement de Dieu. Sinon, on ne meurt pas vraiment. Nous avons aussi déjà expliqué que les seules personnes qui sont mortes depuis la création du monde, ce sont uniquement celles qui ont péri lors du premier jugement, au moment du déluge de Papa Noé. Nous rappelons que le premier jugement dans l'histoire de l'humanité a eu lieu pendant le déluge de Noé. Et ce n'est que pendant le déluge de Noé que les uns sont allés en enfer et que les autres sont allés au paradis. Ce n'est que pendant le déluge de Noé que les uns sont allés en enfer et que les autres sont allés au paradis. Sinon, depuis cet après-déluge de Noé jusqu'à aujourd'hui, personne n'est allé ni en enfer ni au paradis. Depuis cet après-déluge de Noé, personne n'est allé en enfer, personne n'est allé au paradis. Tous, nous attendons le second jugement, le grand jour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, il est dit, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous comprenons bien par là que les morts ne peuvent pas déjà être en enfer ou au paradis. Nous irons en enfer ou au paradis qu'après le jugement dernier, qu'après le grand jour du Seigneur. Je vous laisse écouter Papa Guy-Émile Oufassekikouabo nous l'expliquer plus clairement. Je reviens sur depuis le déluge de Noé jusqu'à nos jours, ici, voilà pourquoi les mêmes gens qui vont, qui meurent, ce sont ces mêmes gens qui reviennent sur terre. Nous avons je dis bien les mêmes gens. Dieu n'a jamais créé d'autre monde qu'il n'a jamais créé Wandi, la tête. C'est
Les mêmes gens, c'est moi qui vous l'ai dit, c'est les mêmes gens qui vont et qui reviennent. Si Manda Yangengundi, même Manisa, Zambi Nalulendo Yandi, Yandike Tulubeno, na côté Yandu Mochimizaba. Si mandat me lunga, parce que bête baban, parce que n'a pas mandat, y'a kusalaka wana ici, bonjour y'a bête, bah y'a encore bateau kizaka, tout que telaka, manomo butu koko ni manomo le peni, manomo butu kadiak, tout que zondika, voilà, et di kandiyai, va me faire moi nimbi, non, il se peut que mandat y'a yandi, manisaka ve. Il y a des canaques en quelques minutes seulement. Parce que mandat, il faut y avoir Lunga. Mais il se peut que Frère Ina, il se peut que Sœur Ina, dans leur Yann de Kouindaka, mandat est Yann de Kouindaka, il y a des canaques Yann de quelques jours, quelques minutes, quelques années, quelques mois. Il faut Yann de Kouindaka, c'est Yann. Avant pas de se dire qu'il y a un côté en caca. Mettez Baba, tu veux qu'il n'a pas mandat. Dans l'inaké, Koussala, Bama, Mouyaïm, le Koulutila, Baki tourne bas quelque part pour vous se dire que Baba veut avoir. Ils attendent leur jugement, leur dernier jugement, et Bayinaké, Salab, moi, je m'en moti, ni Bayinaké, Prisaka, que vous tout caca. Si mandé ya de ce même manisa, baké tout le yandi quelque part, n'a qui si que yine ya mbouti. Mais yine que cela comme mambou ya yindi, baké tout le bas aussi quelque part, n'a qui si que yine ya ba aussi. Et tous, nous attendons le dernier jugement du Seigneur, le grand jour du Seigneur Jésus. Il n'y a que plus. Mais Kuna, si ici le Koufouana Tia, que ce sont les Zondati, que nous n'avons pas de parti, 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 parce que bon, Dieu est là, bon, oui, mais il est là, tu vois, bon, écoutez, ça se dit ça. Mais que nous n'avons pas de parti, nous n'avons pas de parti, d'histoire. Il y a que vous avez une réalité, il y a que vous avez passé, n'a bête, n'a bête, parce que on a quand même dit, ce sont des histoires, ce sont des, écoutez, mais enfin, on raconte, mais quoi, tout ça là. Mais ce jour-là, ça ne sera plus du racontage, mais ce sera une vérité, et des choses palpables, des choses vécues, des choses qui seront réalisées. Ni qui l'oumouille, ni qui l'oumouille en passe. Ce sont mes maisons de type, il n'y a qu'un semblant d'un, parce que quoi, il y a un amazon, parce que il y a que vous en deux camps. Nous avons dit que ça, là, nous l'aimons, il y a un dit, ben, je m'en que vous en parce que, oh, ben, moi, je m'en ai mis, mais il est Dieu. Lui, il est Dieu, il a toutes les puissances. En rien, il y a le même juge, il n'y a ni baba, ni me kouna à côté, ba yankaka me kouna. Le kouna, le dernier jour du Seigneur, baba, me kouna à Mazoud. Je dis bien le dernier jour du Seigneur Jésus. Il n'y a ni que foutouka. Le kouna, betuke tala. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Je disais que ma banque depuis la déluge, la déluge, je crois, corriger. Le délice, il y a Noé jusqu'à nos jours. Baba tu me connais tête venu à Tia et Baba tu me connais tête venu à Namazuru. Nous attendons le dernier jour du Seigneur. Il n'a eu ce que plus en fournit ça.
ici, là, la nyonso, du coup, la bétouké, t'as la bandine, y'a bandine. T'es là, y'a pas, y'a un bot, y'a un mètre, là, y'a pas, Zambi, la tituko nyonso, bah que, côté la Mazulu, qu'une fois, n'a pas ange, je dis, y'a Mazulu, bah, y'a une caisse, bah, y'a une voie Fule opie ba misiku yandi baka kwena na tia se ce jour là où les gens vont aller au ciel et se ce même jour là à la même minute les autres que kwena na le feu éternel. Donc mes frères et sœurs, ne vous croyez pas, ne vous pensez pas que il a montré que vous faites une semblable, il est parti au ciel. Ah non, j'aime que vous avez quelque part selon Emmanuel Ayad. Baba, tu me connais un petit peu la tia. D'abord, je me couille en tête venant un Zulu. C'est pas vrai ça. Si les gens vous racontent ça, dites que, ah, mon ami, mais ça c'est. Parce que ce n'est que les jugements de Dieu, du Seigneur, qui séparent Babantu, n'a qu'un Zulu et n'a qu'un de l'enfer. Mais sinon, depuis le déluge, il y a Noé, ni Bayina Kwandu Kwenan, Tia Yina Din Nijokubwaka, ni Bayina Kwandu Kwenan, Tia, ni Bayina Kwandu Kwenan, Mazuru. Mais après cette déluge, la bande de Mokwenan Tetevena, Tia, la bande de Mokwenan Tetevena, Mazuru, nous attendons le dernier. Tous, c'est les mêmes gens qui vont, c'est les mêmes gens qui reviennent, c'est l'homme en salut les habitants à Wanna ici. Si pas mettre la tchano, c'est lui là à trop fait du mal, bon, vous les gardez quelque part. Et il attend une personne. Je sais pas là-bas. Et ceux qui travaillent un peu bien, là-bas, mon voisin, pas que tu sais, il y a des kinkouti, il y a des kinkouti, il y a des kinkouti, côté de nous, petit sabon, vous mettez la veille, mettez-moi, ben le fils de mon soit. Ou bien la famille, ou bien la papa, côté de nous qui demandez, pas que tu sais. Sinon, nous, tout cas, qu'on soit. Deuxième jour et le troisième jour, Bake Pesenyani Kinkouti. Et Bake Am. Bake Am. Pesenyani. Parce que Jésus, c'est là que nous avons besoin de Toto. Et il y a tant de gens qui ont besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin Bête ba nyoso bête que kufa n'est que pas bête parce que qui continue comme ça l'idée pour que bâche changer de toi bien coûte trois jours après va que peut se bête qui coûte un caca va que en fait de bête côté y en a pas zola mais si une zola qu'on veut quelque chose dans un homme que qu'on veut. Nous avons déjà expliqué dans notre 10e épisode des enseignements C'est qui quoi bien que le jugement dernier, c'est-à-dire le jugement des nations par le Fils de l'homme,
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, reposera sur l'existence ou la non-existence des œuvres dites de bienfaisance que nous aurons réalisées. Voilà pourquoi il est écrit, je cite, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Enfin, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Fin de citation. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, le verset 10. Nzambiwa Bonga. Nous serons tous jugés d'après ce que nous aurons fait ou d'après ce que nous aurons omis de faire. Parce qu'il y aura deux camps ce jour-là. Si nous avons fait le bien, nous posséderons le royaume que Dieu le Père Céleste nous a préparé dès la fondation du monde. Par contre, si nous avons fait le mal, ou si nous avons omis de faire le bien, ou encore si nous n'avons pas posé des actes concrets de bienfaisance, nous serons des maudits et nous irons dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. C'est très bien expliqué dans l'évangile de Matthieu. Je pense à Matthieu 25, 35 à 40 et Matthieu 25, 42 à 45. Parce que être chrétien ou bien être un membre confirmé, c'est bien. Mais prêcher sa parole, c'est mieux. Parce que c'est par les œuvres. Parce que beaucoup, il y a tellement beaucoup de diversité. Il y a des prédications là-bas, bon, c'est pas les œuvres qui pourront amener l'homme par la vie éternelle. Il y a tellement trop de diversité, de prédications, et le monde est perdu. Le monde n'est plus le monde ne se fixe pas. Parce qu'ils ne savent quel pied danser. Parce que là-bas, ils disent, voilà, et c'est pas par les œuvres que Dieu et que l'homme gagnera la vie éternelle. Non, c'est pas. Non. Non. Jésus dira, j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'avais soif. Tu m'avais donné à boire. J'étais nu et tu m'as vêtu. Celui-là dira, mais où est-ce que je t'avais vu Jésus, toi, en tant que Jésus, où je t'avais donné soit à boire, soit à manger, soit à s'habiller. Jésus dira, oui, si vous l'avez fait à l'un de l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, parce que c'est moi qui suis Dieu de tous ces âmes-là, de tout ce monde-là. Oui, c'est bien par les œuvres d'amour que l'homme gagnera le royaume des cieux. Parce que l'amour sincère du prochain, c'est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux. Dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 25, de 31 à 33, il est dit ceci. Matthieu 25, de 31 à 33, je cite. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire,
toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Fin de citation. Au verset 34, il est ajouté ceci. Je cite. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Fin de citation. Et plus loin, toujours dans Matthieu 25, au verset 41 cette fois, il est dit ceci, je cite, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Fin de citation. Matthieu 25, le verset 41. Donc, la question que nous posons, c'est celle-ci. De quel côté serons-nous ce jour-là? Du côté des brebis ou du côté des boucs? Du côté de ceux qui auront le royaume des cieux ou du côté de ceux qui iront dans le feu éternel? De quel côté serons-nous ce jour-là? Puisqu'il y aura deux camps. Nzambiwa Bonga. Discule, on ne peut pas être, on ne peut pas être, on ne peut pas être,
La chanson le dit. La chanson nous enseigne. La chanson nous demande de changer. La belle chanson de nous, gros chef, et les protestants disent que je vais d'abord chanter, peut-être que ce n'est pas ça, parce que le cousin de ces gens lui dit là. Mon frère, ma sœur, wapikote ngekele. Wapikote betoke vanda kilumbu ina Jésus ke kwiza. Comme on vient de l'entendre. Et comme le dit très justement la chanson de nos frères et sœurs protestants, de quel côté serons-nous ce jour-là? Nous rappelons que dans notre texte d'engagement, en parlant du jour du jugement, il est dit ceci, je cite, « Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. » Enfin, « Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. » Fin de citation. Extrait de notre texte d'engagement. De quel côté serons-nous ce jour-là? Du côté des justes ou du côté des méchants? Dans le « Faut-il vous rappeler que ?» Dans le document, faut-il vous rappeler que dans le tome 1, à la page 25, il est dit ceci, je cite, « L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, mais l'homme s'est révolté contre Dieu et a suivi le diable. Si vous êtes perdu et si vous allez en enfer, ce sera d'après votre propre décision, car Dieu n'a jamais eu l'intention de vous y mener, cela dépend de votre propre décision. L'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, mais l'homme s'est révolté contre Dieu et a suivi le diable. Si vous êtes perdu et si vous allez en enfer, ce sera d'après votre propre décision, car Dieu n'a jamais eu l'intention de vous y mener. Cela dépend de votre propre décision. Enfin, l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges,
Mais l'homme s'est révolté contre Dieu et a suivi le diable. Si vous êtes perdu et si vous allez en enfer, ce sera d'après votre propre décision, car Dieu n'a jamais eu l'intention de vous y mener. Cela dépend de votre propre décision. Fin de citation. Extrait du document « Faut-il vous rappeler que ?» tome 1 à la page 25. Voilà pourquoi une autre chanson de nos frères et sœurs protestants nous dit que « C'est pendant que nous sommes encore sur cette terre que nous devons choisir ou que nous devons faire un choix. Est-ce que nous serons du côté de Dieu ou du côté de Satan ? Parce que tout se décide ici-bas. Le paradis se décide pendant qu'on est sur terre, l'enfer se décide pendant qu'on est sur terre. Finir au paradis ou en enfer, cela dépend de notre propre décision et nous devons réfléchir à cela. Nzambiwa Bonga. Oh,
quand et où aura lieu le jugement dernier. Dans cet épisode, nous allons plutôt répondre à la question « Quand aura lieu le jugement dernier ?» Quant à la question « Où aura lieu le jugement dernier ?», elle sera traitée dans un autre épisode des enseignements C'est qui quoi bien, Zambiwa Bonga. Donc, quand aura lieu le jugement dernier, le grand jour du Seigneur Jésus. Donc, moi-même, Mandisakaga Nupuna, rendez-vous au grand jour du Seigneur. Il y a un peu de temps ici. Il y a un peu de encore vivant. Il y a un peu de temps ici. Il y a un peu de temps. Il va poser que Jésus question, mais ce qui est Jésus a dit, mon mezaba ve même ange ba ange mezaba ki lumu ina ve kaka papa ya mono e ndambie rendez-vous na dernier jour ndamba na kuzaba simuke vuna ben u muke ndondela na ben bucheleke me muti muti ngina ke na ndave vishike abeto yametela kwani yandi moshe muti vie je serai un accusé répondre ces jours là voilà me c'est ça. Mbote e bonane ya bambula na bambula na bambula jusqu'à l'éternité umemanisa na nkumba yisu mwana nzambi muntu mezonza njega yai ni munu rufwa siti kwa bo gemile le président fondateur. Effectivement, comme papa Guy Émile Oufa Sétikwabo vient de le dire, dans les Saintes Écritures, dans Matthieu 24, le verset 36, en parlant du jugement dernier, il est dit ceci, je cite, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Enfin, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Fin de citation. Matthieu 24, le verset 36. Ce passage biblique nous invite et nous exhorte à la vigilance. Nous devons veiller, nous devons nous tenir prêts, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus loin, toujours dans Matthieu 24, les versets 42 à 44 disent ceci, je cite, « Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Enfin, veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Fin de citation. Matthieu 24, 42 à 44. Et ce jour-là, ce jour où notre Seigneur reviendra est tout proche. Ce grand jour du Seigneur est pour très bientôt. Nous devons nous tenir prêts en conséquence. Nous devons nous tenir prêts pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ.
car les signes qu'il avait annoncés pour son retour sont déjà visibles. Nzambiwa Bonga. Comme le dit la très belle chanson que nous venons d'écouter, les signes qu'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ pour son retour sont maintenant visibles. Bientôt retentiront les trompettes, bientôt retentiront les trompettes célestes. Nous devons nous tenir prêts, nous devons nous préparer à cela. Parce que, encore une fois, c'est bien dans cette quatrième génération dite de Dieu le Père, c'est bien dans cette quatrième génération qui est revenue à lui-même Dieu le Père, qu'arrivera le jugement, le grand jour du Seigneur. Il faut savoir que nous sommes déjà à la porte, nous sommes déjà à la porte pour rentrer, mais qui va rentrer? Qui va rester, comme le dit Papa Guy-Émile Loufassé-Kikwabo? Cette quatrième génération qui conduit lui-même l'Éternel, Dieu Yahvé, notre Mopiach,
C'est en cette quatrième génération-là que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y en aura plus une autre génération. Après cette quatrième génération de Dieu le Père. C'est dans cette période de quatrième génération qui est revenu à lui-même et Dieu le Père, qui sera la fin du temps. C'est dans cette quatrième génération de Dieu le Père que Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi, entre-temps, dans mes précédentes facettes, je vous avais dit que nous sommes déjà à la porte. Nous sommes déjà à la porte pour rentrer. Mais qui va rentrer et qui va rester? Alors, tel que je vois le comportement des frères et sœurs là, tel que je remarque leur parler là, tel que les gens ne veulent pas se rabaisser parce qu'ils sont comme ceci, ils sont comme cela, nombreux à... Parce qu'il y a deux cas. Il y a le cas où les gens sont enchaînés et ils rejoindraient ceux-là qui ne seront pas qui ne seraient pas aptes. Rejoindront donc leurs frères dans le camp où il y a où tout le monde est enchaîné. Une grosse chaîne à chacun, mais très courte. Et sur un tabouret. Nuit et jour, ils sont là. Ils ne peuvent pas se mettre debout. Ils sont assis et ça sera éternel. Mais ceux-là qui se sont rabaissés, qui se sont dit car non, je dois me rabaisser, je dois reconnaître que j'étais créé et façonné par Dieu, je dois me rabaisser pour écouter pour Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 22, le verset 12, il est dit ceci, je cite, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Enfin, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Fin de citation. Apocalypse 22, le verset 12. En 2007, Papa Guy-Émile Oufassé-Tikwabo, qui est l'incarnation de l'Esprit de vérité annoncé dans les Saintes Écritures, notamment dans Jean 16, de 10 à 15, lui qui est Dieu le Saint-Esprit fait homme, c'est-à-dire Dieu le Saint-Esprit qui a revêtu la chair humaine, Papa Guy-Émile Oufassé-Tikwabo nous dit, je cite, « Je ne sais pas s'il nous reste au moins 40 ans encore avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Je ne pense pas. 40 ans, c'est beaucoup. » Je vous laisse écouter par vous-même. Et je vous dis ici aussi que vous me avez si y a me coupé dans la bête au moins 40 ans diaka, hein? Il n'est que vous tout cas. Je ne pense pas. 40 ans y a que à moins que si Baban tout ça l'a mangé dans mon alors là il y a une qui est précipité parce qu'il y a une cause absurde. Mais sinon il y a la venue, il y a un mot aussi, il y a un programme que
kukanisaka 40 kendiaka mingi samana yandi kuvutuka parce que il veut organiser son royaume céleste yina kuti andike kutula ba babantu yina mekusalila yandi na bucheleka mingi mekulanda eba recommandation ya yandi jikande ya yandi ya éternellement côté babantu ke kufadia kave bake kutela jaka ve nsatu bake kutela jaka ve ba maladi bake kutela jaka ve atakimo si yimbi kaka tsayana tsayi donc ba gros chef amunu il faudrait bitu kuzaba ba mambu bitu kuvanda ve na na kulala no il faut bitu ku réfléchir que l'avenue du Christ yambe kubike na ventama 40 ans, il y a qu'une mingue. Avant 40 ans, Jésus peut déjà revenir pour rassembler et dire qu'il y a un désolé et pour établir éternellement la mazouli yandi et ça m'a pas coûté la dia kave maladi, ben pas si, ben ça tout, ben bien mignon, c'est une gêne que vous talak. Ben gêne à me coûter que là, n'a pas yéna que vanda moyo. Peto mosi beti nyos beti kwanda kishika mosi parce que kwanda ntsolo le le choix ya bayina vanda ko yanchi nikuna si beti kwena kusalama yele ve ya kwenda ku ya ku kimama mbi yimbi ah ya kwanda pasi Dieu n'a pas pitié et Dieu que kwanda ve na pitié ce jour là ya que maintenant où il pardonne. Si, tu me fais l'erreur, tu me reconnais, tu me demandes pardon, tu me fais la bêtise, tu me demandes pardon, tu me fais la bêtise. Ça, je voulais toujours expliquer. Mais ces jours-là, il y a des gens qui disent pardon, non. Parce que le moment est venu, est arrivé, donc il y a des gens qui agissent selon la loi. Il y a des gens qui disent une Bible. C'est parce que, bon, il y a quelque chose qui est passé dans la Bible. Dans la Bible, il y a quelques passages dans la Bible. La Bible, il y a dès le premier jour, il y a un peu de temps, il y a quelques passages dans la Bible. Yina keba mambu, mimi na bimbibla ya ikeleve mei, baku la babu ni yao. Comme l'a dit papa Guy Émile Lufoisé Tikwabo, il faut que nous sachions que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ est imminente. Cette seconde venue de Christ est plus que proche. Nous devons donc nous tenir prêts pour ce grand jour, comme je l'ai déjà dit, et se tenir prêt, c'est abandonner le mal sous toutes les formes. C'est renoncer au mal sous toutes les formes. C'est en pratiquant l'amour sincère du prochain qu'on se tient prêt, qu'on se prépare à cette seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rappelons-nous de la parabole des 10 vierges, que nous avons déjà expliqué dans notre 10e épisode des enseignements c'est qui quoi bien, que représente réellement l'huile ou le pétrole qu'avait manqué à ces cinq autres vierges, Nzambiwa Bonga, avant que le jugement dernier n'arrive, avant que ce jour qui est pour très bientôt n'arrive, nous allons passer par des temps dits apocalyptiques. Parce que il faut que s'accomplisse ce qu'il y a marqué dans les Écritures, notamment dans Matthieu 24. C'est-à-dire, nous allons passer par des temps apocalyptiques, nous allons passer par des jours de détresse, et ce ne sera que le commencement des douleurs, pour reprendre l'expression des Écritures, parce que dans Matthieu 24, on nous dit ceci, je cite, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Fin de citation. Et plus loin, toujours dans Matthieu 24, il est dit ceci, je cite, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Fin de citation, Nzambiwa Bonga. Papa Maurice Lumwamu nous avait composé une très belle chanson dans ce sens que je vous laisse écouter maintenant. Thank you.
conclure sur notre 12e épisode des enseignements C'est qui quoi bien, qui était consacré au dernier jour, le grand jour du Seigneur Jésus, nous allons dire ceci. La vérité sur toute chose sera dévoilée ce jour-là et chacun sera jugé à cette lumière. La vérité sur toute chose sera dévoilée ce jour-là et chacun sera jugé à cette lumière. La valeur des œuvres humaines sera dévoilée, c'est-à-dire toutes les actions seront considérées à la lumière de leur valeur éternelle et de leur résultat final pour le bien ou pour le mal. Nous apprendrons tous la vérité en ce qui nous concerne, comme en ce qui concerne les plans et la puissance de Dieu. Ce jour-là, nous nous verrons comme Dieu nous voit, c'est-à-dire connaissant et comprenant toutes choses. Ainsi, le jugement divin sera un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui tient compte de la compréhension et des occasions de chacun. Le jugement divin sera un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui tient compte de la compréhension et des occasions de chacun. Par exemple, tous ceux qui auront entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seront jugés à la lumière de ce privilège et de cette responsabilité. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 11, de 20 à 24, il est dit ceci. Matthieu 11, de 20 à 24, je cite. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Enfin, alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon,
il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Fin de citation, Matthieu 11, de 20 à 24, Nzambiwa Bonga. Comme je l'ai déjà dit, le jugement divin sera un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui tient compte de la compréhension et des occasions de chacun. Voilà pourquoi il est aussi dit, et c'est l'évangile de Luc qui le dit cette fois, je cite, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Enfin, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Fin de citation. Luc 12, le verset 48. Et toujours dans cette notion de justesse du jugement divin, je nous recommande de lire ou de relire l'Épître aux Romains, Romains 2, de 5 à 16. Romains 2, de 5 à 16. Et pour terminer complètement ce 12e épisode des enseignements Sétikwa Bien, je vous laisse écouter Papa Guy-Émile Oufa Sétikwa Bo pour le mot de la fin. Nzambiwa Bonga. Moupesaka, comment on appelle ça? Kingana Moussi. Yababana Zori Pierre André. Moussi Wanda, plus intelligent selon lui. Oh, Vadim, y'a les fit-fits, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, je prends l'essentiel. Mais, Guina Bondabaka est l'essentiel. Il était. Tu vois, l'examen. Et que nous avons un peu tenu ici. L'examen, c'est le dernier jour. Du Seigneur, il y a une maison là. C'est le dernier jour du Seigneur, il y a une maison d'Awa. Le dernier jour qui cuise. Nous, c'est peut-être que c'est là. Puis si peut-être qu'on obéissant, peut-être qu'on va bien. Mais si peut-être que désobéissant, nous serons échoués à l'examen ce jour-là. Et pas que tout le bête n'a bon goût, il y a tria. Que tout le bête n'a étant éternel. Il y a que cela qu'à un moment où il y a un mot, il y a un zambi, que vous avez un killing, il y a un tsingo, et pas un zambi, je ne sais pas si vous avez un mot, pour la couillère, comme ça nous amène à Bango, 8 jours. Thank you.
Amikou.